J'aimerais, s'il vous plaît, maintenant qu'on baisse un peu la lumière pour se souvenir ensemble du 7e Paris Luxury Summit où l'invité d'honneur, il y a exactement un an et une semaine, était Albert Elbaz. Depuis, Albert Elbaz a eu le sort de beaucoup de génies et des génies de la mode dans les années passées, puisqu'il nous a quittés, et j'aimerais que nous lui rendions un hommage, tout d'abord en écoutant sa voix qui va nous inspirer dans cette session de Luxe Thérapie. If you do one thing, I mean, a second later, it's like, okay, it's so old, I mean, let's go next. So it's really about surprising. I think it's also about having fun and having some joy again, because we know now what sadness is. We know what solitude is. We know what fear is all about. And I think that that would be the change, to go back and to learn from what we have. But basically is to bring back joy and fun and hope and happiness. And I hope I don't sound ringard with all this word, and I hope I don't sound like a politician, but I'm not. But it's just things that I feel that I'm missing. Tous ces sentiments, évidemment, qui sont mêlés dans la création, qui sont mêlés aussi dans notre réception du luxe, Albert n'avait pas son pareil pour en parler. Et je voudrais simplement dire que lorsque Albert a disparu, on a vu une mobilisation de créateurs comme jamais. Toute l'industrie du luxe s'est mobilisée pour lui rendre un hommage, une robe par créateur lors d'un défilé qui restera dans les livres d'histoire qui s'appelait Love Brings Love, qui a eu lieu il y a 2 mois. J'aimerais qu'on regarde quelques images et qu'on parle ensuite d'Albert Elbaz. Thank you.
voilà, il faut se souvenir et remercier Albert Elbaz pour son œuvre, pour les lumières aussi qu'il nous avait apportées lors du précédent sommet, et dire tout simplement que le fait que cet homme n'ait pas pu échapper à son destin, tout protégé qu'il était de la maladie, le fait qu'il se soit trouvé du jour au lendemain voilà, exposé à ce virus létal et qu'il y ait succombé, souligne le caractère tragique de cette personne qui était unique dans sa créativité. Je crois qu'il a véritablement renouvelé le monde du livre à travers son travail chez Lanvin. Il s'apprêtait à le révolutionner proprement avec la création de AZ, qui est véritablement une factory dans laquelle il mêlait le digital, la pépinière de créativité, d'invention, et qu'il allait véritablement vers une nouvelle pensée de ce que pouvait être une marque. Et ce qui m'a touché beaucoup dans la fréquentation d'Albert Elbaz toutes ces années, parce que j'ai quand même eu l'honneur de travailler avec lui pendant un moment, c'est cette fondamentale fragilité qui était la sienne. Et c'est à partir de cette fragilité de tous ces sentiments qu'il a cité tout à l'heure, la solitude, l'anxiété, l'expectation, qui a créé cette forme bien particulière.